Les affaires marchent ? J'aime pas le mot « affaires ». Pour moi, c'est du travail. Un dur et honnête labeur. Et j'ai pas à me plaindre. Pourquoi El Capitan ? Les gens me sont reconnaissants. Ils me respectent parce que je les fais passer en premier. Waouh, un vrai altruiste. Les corpos sont un vrai fléau. Le pouvoir doit revenir aux mains du peuple. Et on va y arriver. Tu verras. Parle-moi de Santo Domingo. Beaucoup de gens ont essayé de s'implanter ici. Des corpos, des gangs, mais personne n'a réussi. Les habitants d'Arroyo et de Rancho Coronado sont des gens fiers. On se laisse pas entuber comme ça. On est la chair et le sang de cette ville. T'as déjà bossé pour une corpo ? Et tu cherches à me vexer, là ? Disons que j'ai déjà rencontré des types dans ton genre. Rapides, persuasifs. Toujours prêts à défendre les leurs, contre un peu d'argent. Et ? C'était souvent des costards. Ma jolie. Claire ? Sous la voiture. Salut, Claire. C'est une sacrée caisse. Tu t'y connais et en plus, t'as bon goût. Je te présente mon bébé, Beast. Si tu veux, il y a de la bière au frigo. Merci. Alors, pourquoi je suis là ? J'ai besoin d'un pilote. J'ai pensé à toi. Pour une course ? Il y a des règles particulières ? Aucune, justement. Il faut juste être deux. Un pilote et un artilleur. T'es plutôt un as de la gâchette ou du volant ? Je suis plutôt un as de la mécanique, à vrai dire. Et je sais tirer. Mais je suis pas un pilote de course. J'imagine que tu te débrouilles derrière un volant. C'est pas ta première course, au moins. Hein ? T'inquiète pas. J'ai l'habitude des circuits. Et ton dernier pilote, il a raccroché ? On peut dire ça. Il est mort dans une course il y a un an. Oh, désolé. Ok, Claire. Je vais être ton pilote. Ok, il y a 4 courses. La première se passe au centre-ville. Après ça, c'est direction les Badlands, puis Santo, et pour finir, Watson. Il y a une récompense dans tout ça ? Un petit pactole pour la première place. Si on gagne, on fait moite-moite. Ça te va ? J'ai déjà la chair de poule. Vu que c'est moi qui conduis, on peut utiliser ma caisse. T'es sûr qu'elle tiendra le coup ? C'est pas qu'une question de vitesse. Faut qu'elle puisse encaisser aussi. Détends-toi. Je conduis pas une poubelle. Ta voiture ou la mienne ? C'est toi qui conduis, alors choisis. On commence quand ? Il y a des courses de qualification. Il faut bien se placer pour atteindre la finale. En quelle position ? Il faut qu'on soit dans le top 3 dans au moins 2 courses. On se retrouve dans le centre ? Je t'envoie les détails. Si jamais t'entends des moteurs overtunés,
c'est que t'es au bon endroit. À plus, alors. Toi, je t'ai vu au camp des Aldecaldos. V, c'est ça? La seule et unique. Ah, c'est quelqu'un de la famille qui t'envoie ici. Je passais là par hasard. Personne m'a envoyé. Pourquoi? C'est le genre d'endroit où on a besoin de moi? Carol et Cass sont venus conclure un deal avec les désosseurs. On a volé du matos cybernétique pour eux. Et? Et ça prend beaucoup trop de temps. J'aime pas ça. Ça pue. Je vais aller jeter un œil, histoire de voir si tout va bien. Attends. C'est juste que... ça risque de pas leur plaire. Continue à faire le guet. Je t'ai amené ce que t'as demandé. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que t'as 3 putains de jours de retard! Je t'ai expliqué. Il y a eu une tempête de sable. On... Devine quoi? J'en ai strictement rien à branler. Pardon pour l'interruption. On a perdu un gros paquet d'édits avec vos conneries. Comment ça va, les affaires? Fais! Qu'est-ce que tu fous là? Qui c'est, ça? J'ai eu envie de passer pour vérifier que tout le monde se la jouait réglo. C'est qui, putain de merde? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu vas m'inviter à dîner. Donne-moi une bonne raison pour pas t'arracher ta langue de pute par la chatte! Calmos! Elle est avec nous. Tu sais compter jusqu'à 3? 1, 2, 3. Vous étiez pas censé être plus que ça! Et toi, t'étais censé venir avec un paquet d'euros-dollars, et je l'ai pas encore vu. Bon, allez, c'est bon, Roman. On a eu du retard, c'est notre faute. On te fait cadeau de 10% pour la peine. 20. 15%. Bon, ok, on va pas y passer la nuit. Je passe un appel pour votre paiement. T'as complètement pété un câble, V. Pourquoi t'es venu? Je suis tombé sur votre pote à l'entrée. Il était inquiet. Alors je suis venu voir. Tes leçons, tu te les gardes, V. On connaissait les risques, mais... On a vraiment besoin de ce fric, genre à mort. Tu vas la fermer, tu pourras discuter autant que tu veux plus tard. C'est marrant. Ta face d'aura me revenait pas depuis le début maintenant, je sais pourquoi. C'est toi qui nous as baisé à Watson, Sandra Dorset. Tu croyais qu'on allait oublier? On n'a plus rien à se dire. Tant mieux. J'avais mal à la tête à force de t'entendre chialer. Butez-moi tout ça! Sniper! Descendez-le!
Pourquoi il y avait un sniper, à ton avis? Ça aurait fini comme ça de toute façon. Peut-être bien. Et on le saura jamais, maintenant. Allez, tu vas pas lui faire la gueule. Tu ne peux jamais savoir de quel malheur ta malchance t'a sauvé. Tu t'es jeté dans la fosse au lion pour nous aider, V. Pourquoi? Parce que t'as écouté ton cœur. Et c'est rare, ça. Vraiment rare. Et tu pourrais pas l'acheter avec tout l'or du monde. En parlant d'or, on va pas laisser tous fake moisir ici. Merci pour tout, V. À la prochaine.